Ok, bonjour tout le monde. Je vous remercie pour cette grande opportunité. Je suis Michelle, doctorante à l'Université de Poitiers. Et mon équipe est constituée de Samir, Imad, Tristan et Cyprien. Ok. Nos produits sont des cocktails de spécialité libanaise, tout frais et tout naturel. Et donc ils sont originaux car même s'il existe plusieurs cocktails de fruits, mais pas de spécialité libanaise ici en France. Et même les restaurants libanais en France ne les servent pas car ils prennent beaucoup de temps à préparer. Et donc on a peu de concurrence. On ne vend pas seulement les cocktails, on vend la santé, la fraîcheur, l'énergie, l'équilibre, les vitamines et le plaisir. Les Libanais sont des experts de ce type de cocktail-là. Et donc, pourquoi les gens ont besoin de nos produits? Car ils ont besoin des vraies émotions, d'un goût délicieux, d'un contact avec la nature, et donc ils ont besoin des cocktails de fruits frais et naturels. Et la solution est Arc-en-Fruits. Et donc, on a fait une étude de marché pour étudier le besoin du produit par sondage Facebook et on est allé sur le terrain. Et donc, on a constaté que la majorité de nos clients sont des sportifs, sont intéressés aux produits détox, aimeront bien consommer un ou plusieurs cocktails par semaine. Aussi, ils aimeront bien emporter leurs cocktails et ils sont prêts à payer moins de 5 euros ou bien entre 5 et 8 euros pour un cocktail. Et donc, nos clients cibles sont tous le public, les travailleurs, les mamans, les étudiants, les gens intéressés aux produits détox et même les gens qui aimeront simplement avoir un snack qui est simple. Mais le cœur de cible sont les sportifs. Et donc, comme stratégie économique, on aimerait bien commencer par un cocktail troc, car il nous aide à se déplacer pour se faire connaissance au début. Et puis après, ça a besoin d'un petit budget. On peut aussi préparer les cocktails directement devant les gens pour avoir contact avec eux. Et les logistiques sont faciles pour un cocktail troc. Et puis on aimerait bien se développer pour avoir une boutique, puis une commande en ligne pour que nos clients puissent ou bien emporter leur cocktail ou bien avoir une livraison. Et donc, le cocktail truck nous aidera à participer à des événements comme les marathons, des événements sportifs, aussi à d'autres événements comme les marchés des villes et par exemple la fête de la musique. Les prix de nos cocktails sont basés sur une étude détaillée des prix des ingrédients. Et donc, on a trois tailles, small, medium et large, avec trois prix différents. Un chiffre estimatif d'affaires, c'est 40 000 euros par an pour les marathons. Et donc, c'est plus rentable si on participe à d'autres événements. Et c'est rentable dès la première année car on a un très petit budget. C'est un premier essai de notre menu qui inclut certains cocktails avec les noms et les ingrédients. Puis, on a aussi, pour valoriser notre communication avec nos clients, on a créé une application mobile à l'aide de laquelle nos clients peuvent nous contacter pour laisser leur avis, leurs remarques, leurs propositions peut-être, et puis ils peuvent nous suivre sur la page Facebook. Et aussi, ils peuvent voir tous nos cocktails. Ok, on a aussi créé un site web et on aimerait bien avoir un programme de fidélité. Par exemple, après chaque 5 cocktails achetés, vous aurez un cocktail gratuit. Et Have a break, have a cocktail, c'est notre slogan. Merci pour votre attention. Merci, s'il vous plaît. Merci doublement. Comment envisagez-vous la livraison? Peut-être qu'on a pensé à Deliveroo. Il est maintenant même à Poitiers, il est partout à peu près. Deliveroo, c'est une
C'est une compagnie qui est connectée, par exemple, aux applications web. Quand les clients font une commande, c'est tout de suite, ils arrivent à leur système. Je ne perds pas de temps à expliquer des lignes rouges, je pense que c'est jamais clair. Je vois bien les origines libanaises dans le cocktail, c'est vraiment délicieux. Je vois bien le public destinant qui est quand même les sportifs. Pourquoi ce choix arc en fruit qui est assez loin et des origines et de la cible En fait, on aimerait bien nommer le projet Tout est fruité. Mais on a eu des problèmes avec les accents et tout, donc on a changé. Et l'arc en fruits, c'est comme l'arc-en-ciel qui est plein de couleurs, car les fruits sont de couleurs différentes. C'est ça. Question là-bas, vas-y. Si vous parliez tout à l'heure de votre cible qui était plutôt les sportifs, quelle va être votre démarche par rapport aux gros comme Isostar, des gros faiseurs de gel qui sont plutôt orientés vers eux et qui sont adaptés complètement chimiquement pour eux, quoi. Ça sert bien comme peut-être un petit déjeuner ou même comme un pre-workout pour donner de l'énergie. Et on a aussi pensé à inclure des valeurs nutritives, par exemple les calories, les grammes de sucre, des carbs, des protéines dans chaque cocktail. Mais c'est une idée pour après. Autre question ? Vous n'avez pas parlé de l'investissement que ça nécessite, enfin, vous n'avez pas chiffré ça, enfin, vous avez travaillé un peu sur un peu plus précisément sur l'économie. L'achat du food truck, toutes ces questions. En fait, pour le stratégie économique, on commence parce que c'est un petit budget, c'est un peu un projet étudiant, etc. Donc on commence un peu à tout ce qui est local, le food truck, on a bien chiffré tous les. Par exemple, pour la location, ou bien pour l'achat même du food truck, c'est pas très cher, c'est entre 400 et 1000 euros. Ça, c'est pour l'achat, donc on peut le payer pour comme en tant étudiant. Et ensuite pour après, donc peut-être par exemple pour le local, dans tout. Donc si on fait tout le calcul, et même pour la location chaque jour, même ensuite avec la mairie, on sait bien, par exemple que c'est par jour, c'est 13 euros, quand on a l'électricité et tout. Donc c'est rentable par rapport au produit. Donc un peu, c'est un petit résumé. Merci beaucoup, on peut les applaudir.